Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 210 de cette joanne et nous allons jouer aujourd'hui à World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck sur Mega Drive. C'est le nom le plus long que j'ai jamais vu dans les jeux vidéo. J'en ai chié pour le rentrer dans mon introduction. C'est pour vous dire. Je devrais dire à la police. Donc c'est parti, je vous laisse l'introduction. Ça ressemble un peu à l'épisode qu'on vient de faire sur Castle of Illusion. Sauf que là, bah, c'est World of Illusion et puis on joue avec Mickey Mouse et Donald Duck. En fait, vous allez voir. On a le choix, enfin on a pas le choix, mais enfin bon, c'est compliqué. Allez, je vous laisse l'introduction. Ben, l'introduction était pas longue, vu que j'ai parlé la moitié, mais c'est pas grave. Oh nice, Mickey Mouse and Donald Duck. Ah ben, il y en a encore une, donc c'est parti en fait. Je peux vous relaisser ça, c'est sympathique. Que cette mélodie était douce, je suis sûr que si vous avez un casque, vous avez senti qu'il y avait des sons d'un côté et des sons de l'autre. Enfin, le petit son aigu était à gauche, ou à droite, je sais pas. Alors, Mickey, alors on voit qu'il a une petite attaque aujourd'hui, hop, par rapport... Oula, attention. Alors, quand on nous attaque, on peut transformer les gens en fleurs, d'accord, ça commence très bien, on est dans un royaume et des champignons, c'est normal qu'on transforme les gens en fleurs. Voilà. Il a sûrement mangé un ou deux champignons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il nous faisait un petit balai volant. Alors, il y a un petit paquet, j'aimerais bien récupérer. Enfin, j'aimerais bien, c'est pas dit que j'y arrive, mais j'aimerais bien. Non, il n'y arrive pas. Bon, on continue, on avance. Jeu de plateforme toujours. Dans le même style, exactement le même style que Castle of Illusion. Hop, j'espère qu'il sera peut-être un peu plus long. Allez, casse-toi. Voilà. Allez, on saute. Hop. Hop. Ah bah ça saute tout seul, nickel. Ça fait le chemin tout seul. Si c'est pas beau, ça, comme jeu. Ah, ah bah non, pas le dernier. Tant pis. Hop. Alors, un bonbon. Miam, miam, miam. Ça doit être la vie, ça, les petits cœurs que vous voyez là-haut. Les cartes. En même temps, c'est des cœurs, donc bon. Je pense que c'est de la vie. Hop, voilà, on transforme, on fait un bouquet de fleurs. On s'improvise fleuriste, hein, voilà. Ouais, j'ai cru qu'il fallait passer dans le tronc, mais non. Dans celui-là, par contre, oui. Alors, on est tombé. Mais tout va bien. On transforme les gens en fleurs, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien, même, je dirais. Donc, le niveau est pas terminé, on continue. Hop. Ah. Ah bah j'ai eu Momo là. Il fait une drôle de tête d'ailleurs quand il a mal. Je sais pas ce que c'est ce truc là, ce machin de qui se transforme en feuille quand on le touche. On est en train de se faire souffler par des coquelicots ou des fleurs bizarres du moins. Vas-y, ah, je voulais lui lancer, je voulais lui faire un petit kamehameha dans les airs là, comme un... Hop. Hop. Hop, ça fait apparaître des pétales, enfin des plateformes. Hop,
On saute dans le vide. Voilà, on a sauté dans le vide. On s'est suicidé, mais tout va bien. Arrête, il peut tomber de 3 km de haut, il n'y a rien à foutre. Au moins, ça nous évite de se casser la tête. Oh non! Ah, il m'a fait mal. Allez. Ah non, je suis pas allé assez haut. J'ai les boules. Bon, eh ben, on y retourne. Hop. Hop. Ah, lui aussi, il fait apparaître des pétales. Je sais pas, bizarre. On va essayer avec celui-là, mais je sais pas où c'est que ça va nous mener. Hop, hop, hop. Sur une autre fleur avec des pétales? Non, même pas. Sur une fleur sans pétales. C'est juste pour éviter les monstres, je pense. Eh ben, on va retourner là-bas parce que... Parce que ici, ça nous intéresse pas tellement. Je voulais monter là-haut, il y avait l'air d'avoir une petite porte. Hop. Hop, et hop. Ah, toi. T'as pas intérêt à m'emmerder, voilà. Ah bah lui, on le transforme pas en fleur, on le transforme en papillon. Si c'est pas beau. Allez, on va essayer de sauter. En courant en même temps. Et là, voilà. C'était limite, hop. Foireux. Il arrive trop vite, comment voulez-vous que j'analyse ça. Ouais, non. J'ai fait apparaître les pétales, mais j'ai pas envie de... pas envie de prendre le risque. Voilà. Ah bah tiens, une porte, nickel. Alors, où c'est qu'on est maintenant? Est-ce qu'on a fini le niveau, non? Non, même pas. Il y a l'étoile d'araignée. Ah! L'étoile d'araignée qui se perce. Donc on va faire attention là où on marche. On transforme les araignées en papillons. Chercher le problème de concept. Puisque les araignées mangent les papillons, mangent les mouches, mangent les insectes. Pourtant, les araignées se transforment en papillons. Hop! Hop! Ah! J'avais oublié que ça descendait. Faire attention, on va peut-être éviter de marcher au milieu. Vous avez vu le système des araignées qui vous font des plateformes en fait avec leurs fils. Franchement, ça, j'aurais pas pensé moi-même. Hein. C'est trop bien fait. Hop! Et hop! La plateforme qui disparaît. Trop bien! Ah, raté, je voulais récupérer le truc, mais... Non. On va faire attention quand même si je tombe. Là, je sais pas où c'est que je peux atterrir. Hein. Je crois bien que je dois mourir directement si je tombe. On va peut-être éviter. Hein. Ah, là par contre, faut remonter. Ah! J'ai cru que je tombais. Mais bon. Voilà, arrivé à bon port. Alors, où sommes-nous maintenant? Toujours des araignées, encore et encore. Ah, ce qui ressemble à un boss. Ouais, ça a l'air d'un être. Là, je vais vous le laisser en gameplay, le boss. Nous revoici dans un nouveau niveau. Apparemment, this look like. On fait apparaître le tapis volant. Voilà. Et c'est parti, on monte sur notre tapis.
Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc j'appuie frénétiquement sur ma touche pour me maintenir en l'air. Et on va essayer d'avancer aussi avec les flèches. Ça serait bien d'avancer parce que si on fait du surplace, c'est inutile. Hop là. Hop. On va essayer d'éviter les tornades aussi. Les oiseaux. Ah tiens, il y a tout un tas de cartes là. Ah, je m'envole. J'appuie trop frénétiquement, je crois. Voilà. Oula, oula, c'est la saison des tornades. Il y a des tornades dans les airs. Là. Attention. Oulala. Là là. Oh, petit oiseau. Ah, j'ai de la chance pour le moment. J'ai toujours 3 vies, hein, que ça fonctionne comme l'autre. Trice 03. Oui, c'est vraiment pareil. C'est un peu différent au niveau interface, mais c'est pareil que le Castle of Illusion. En fait, c'est un. C'est là. Ta, ta, ta. Ah non, 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 non. C'est bon, il m'a pas touché. Hop. Alors, c'est des paquets avec des points d'interrogation. Je me demande si on peut pas choper des malus dessus, des mauvaises surprises, par exemple. Attends, non, 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 c'est hop là, je me suis fait toucher, j'ai voulu aller trop vite. Et pour éviter la tornade, et je me suis fait avoir. J'essaye même pas de récupérer les paquets. Même pas essayer. Voilà, on est arrivé à destination. Youp. Avec notre tapis volant. Alors, où sommes-nous? Ah bah, il fait pas beau. Oh, il y a des trucs de flammes. Il pleut, il y a des bonhommes qui sont enflammés et il pleut. Ah, ils ont disparu. D'accord. Ok. Donc ça, ça monte. Ah, vite, 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 vite. En fait, il faut super se dépêcher, en fait. Ah, bah, je suis bloqué. Non, je suis bloqué. Il y a eu un bug graphique, vous l'avez vu? Je suis passé à travers la plateforme. Et je suis bloqué, je peux pas sortir de là. Oh, c'est sérieux. Bon, on va pas... Ouais, non, je suis en train d'appuyer sur toutes les touches, mais y a rien à faire, je suis bloqué. Un gros problème graphique, et du coup, je me suis retrouvé dans les trucs. Donc, la seule solution, hein, c'est d'éteindre la console. J'ai pas envie. Donc, on va s'arrêter là. Donc, ce sera tout pour World of Illusion et tous les starring qui suivent. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.